Should've known you was fucking with a boss. Yeah. Should've known you was fucking with a boss. Yeah, 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 yeah. Should've known you was fucking with a finest chick, down the right ass chick. Always on your side like that clip on your hip. If you was blind, I would be your vision. Cause you found out the highway. Hello tout le monde, donc pour cette vidéo j'ai testé une perruque de chez Her Giving Hair. Elle arrive dans cette très jolie boîte, la perruque c'est une perruque de texture 4C, donc une texture assez crépue, les baby hairs sont très bouclés aussi. Et la racine de la perruque est très bouclée, donc ça matche très bien avec l'ensemble des cheveux et ça rend un effet très naturel. Donc c'est la particularité de cette perruque. Et vous allez voir aussi qu'il y a des pinces et des élastiques pour bien sécuriser la perruque. J'ai fait un co-wash pour garder l'hydratation des cheveux et pour prédéfinir les boucles. Et ensuite, j'ai passé au coiffage en utilisant un leave-in pour hydrater les boucles et pour les prédéfinir. Et juste après, je vais utiliser un gel pour fixer les boucles et pour les maintenir en place. Et regardez le résultat, comment c'est bien défini. Donc c'est super beau et maintenant, je vais répéter ça sur toute la tête. Donc en attendant, je vais vous parler un petit peu de Her Giving Hair. Pour des personnes qui ne connaissent pas cette marque-là, c'est une marque qui a toujours offert des cheveux naturels de bonne qualité, en aidant les femmes à mettre en valeur leurs propres cheveux naturels et à trouver la confiance en elles. Her Giving Hair est la seule marque qui fournit une véritable texture 4C aussi réaliste. Donc 4C, c'est une texture de cheveux crépus. Donc on dirait vraiment vos cheveux avec ce genre de perruque que cette marque propose. Et même si de nombreuses entreprises de cheveux peuvent imiter des styles similaires, des boucles similaires, elles sont incapables de faire en sorte que les racines et les pointes matchent. Parfois les racines, elles sont lisses, elles sont raides et le reste des cheveux sont bouclés, donc ça ne matche pas et ça ne correspond pas à la texture des cheveux bouclés. Par contre, Her Giving Hair a trouvé une technique pour s'assurer que les cheveux soient uniformes, de la racine jusqu'aux pointes. Donc les racines de cette perruque sont très bouclées, comme s'ils sortaient littéralement de votre cuir chevelu. Donc ça donne un effet super naturel que les autres perruques naturelles n'ont pas sur le marché. Donc voici la perruque, elle est sèche à 70% environ. Donc voici les boucles, comment elles sont trop belles. Regardez le mouvement et la brillance des cheveux, donc on va l'essayer maintenant. Donc là, on voit que mon bonnet est un petit peu trop orange, donc je vais le mettre un peu plus à l'arrière. Et là, c'est beaucoup mieux. Et je vais mettre mes petites pinces pour bien sécuriser. Hop. Donc voici la perruque et on voit très bien les petits baby hairs là. Les petits edges, comme on dit en Amérique, je sais pas comment on dit en français, mais on voit très bien les petits baby hairs tout bouclés. Donc je sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait, cette perruque-là est conçue pour imiter les petits baby hairs super bouclés qu'on a, nous les afros, avec les cheveux bouclés ou crépus, peu importe. On a toujours des petits baby hairs très bouclés. Et là, ils ont réussi à bien imiter ça, donc ça c'est trop bien. On dirait vraiment mes petits baby hairs. Donc on va couper la laisse et je vais installer la perruque. Donc cette perruque là peut se poser sans colle. Donc on va essayer de faire ça. Mais la perruque elle est déjà super belle. Déjà les boucles elles sont magnifiques. J'ai utilisé deux produits seulement. Donc mon gel et mon leave-in. Et les boucles elles sont très très bien définies. Les cheveux bougent super bien. Et je vais juste couper la laisse pour vous montrer comment c'est super naturel. Franchement regardez bien là. Les petits baby hairs, c'est hallucinant comment ils ont pu créer ça. Et apparemment, ils ont une technique qui permet de réaliser ces petits baby hairs là, une nouvelle technologie. Donc franchement, c'est super bien fait. Et maintenant, je vais couper la lace. Bitter, taste, bitter. Like give me the bitter, but you know I ain't as bitter, so I clean my plate.
Voilà, j'ai coupé la lace et voilà le résultat. Donc les baby hairs là, ils sont très bien faits. Donc j'adore la qualité des boucles, elles sont bien définies. Les petites boucles là, c'est trop mignon, c'est trop joli et ça brille super bien aussi. Donc j'ai beaucoup joué avec les cheveux, donc ça a fait un petit peu de frisottis, mais j'adore moi les frisottis, donc ça me dérange pas du tout. Et là je vais faire une petite coiffure, voire deux, pour vous montrer comment on peut coiffer ce genre de perruque là. Donc je vais commencer par sécuriser les petits bouts là sur les côtés. Hop. Voilà, ça se voit même pas et la perruque elle tient très bien. Saw me in the club, didn't show me any love. You was too busy popping bottles with the thugs. I know you was feeling up. Nah, nah, nah. Don't know why you're trying to front. Couldn't even say what's up. Yeah, you couldn't even say what's up. Now you're saying I'm the one. Don't you know I got the juice, got the sauce. Get from around me, boy, get lost. You look goofy, you're a fraud. Don't fuck with lames, swear to God. And before you blew me off, then I glued up and took off. Now you're left in the exhaust, but that's your own damn fault. Should know you was fucking with a boss. Yeah. Alors là, maintenant, après cette coiffure toute mignonne, je vais essayer de faire un chignon haut pour montrer qu'on peut faire un chignon haut avec les boucles. C'est très naturel à l'arrière. Donc c'est parti. Donc pour la deuxième coiffure, comme je vais faire un chignon haut, j'ai décidé de couper des petits cheveux à l'arrière de la perruque pour que ça fasse encore plus naturel quand mes cheveux seront en hauteur. Et ensuite, vous allez enrouler vos cheveux autour de vos doigts. Donc vous allez utiliser la méthode du finger coiling pour faire boucler les petites mèches et pour que ça fasse effet baby hair à l'arrière. Now you're telling me I'm special. You should have seen my potential. Riding the wheels off the bandwagon. I'm taking that as an insult. And now you want a piece of it. When before you didn't believe a bitch. Can't believe this shit. You must be tweaking a few things somehow. Once I stop peeking, you can't come around. You got me messed up. Gotta go run my checkup. You can dip them pop back up. I don't know what you thought that it was. And before you blew me off. But now you know you messed up. Now you're left in the exhaust. But that's your own damn fault. Should know you was fucking with a boss. Yeah. Should know you was fucking with a boss. Donc voilà le résultat de cette perruque de chez Her Giving Hair, la perruque qui imite super bien les cheveux crépus avec cette petite racine bien bouclée, les baby hairs aussi, tout est uniforme, tout est super réaliste. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et aussi n'oubliez pas de partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez avoir une réduction, n'hésitez pas à utiliser mon code MorganMood qui s'affiche à l'écran ou bien en barre d'infos. Et j'ai mis aussi tous les détails de la perruque en barre d'infos si vous voulez acheter la même. Bye bye!